Il souffrait d'une maladie, je ne sais pas, on n'avait pas décrit. Je ne sais pas si c'était le cancer ou quoi. Il apparaissait toujours avec un polo, là, très amaigri. Là, parce que chaque fois qu'on fabrique un nouveau téléphone, on doit faire une conférence. On voyait toujours quelqu'un là très maigre. Bien aimé, dans 100 ans, personne d'entre nous ne s'y fera encore du monde. Personne ne sera encore du monde. Et Dieu est en train de nous préparer à une vie éternelle. Vous que quand nous ne serons plus physiquement présents sur cette terre, que nous soyons à ses côtés. Pour vivre une vie de sanctification, troisième point, il faut faire de la sanctification ton objectif quotidien. Chaque jour. Décide de vivre dans la sainteté. Sois une femme, soit un homme sacré. Alléluia. Amen. Donc, il faut conjuguer ton quotidien dans la sanctification. Bien aimé, la force d'une église, c'est la sanctification. Là où il y a des pasteurs qui vivent dans la sanctification, là où il y a des bergers, des missionnaires qui vivent dans la sanctification, vous n'aurez pas besoin de faire des longues prières. Souvent les gens qui vont demander des prières sur le pasteur Galas, ils sont déçus. Ils sont comme le général là, syrien qui voulait que Élisée sorte, lui impose les mains. Non, non. Papa souvent fait des petites prières. Naman qui avait la lèpre, il voulait que Élisée vienne lui imposer. C'est toi la lèpre, comment va t'imposer la lèpre? Élisée était même pas celui qui va de la gauche, je vais, cette fois. Élisée a pour qui a t'as obéi. Sa peau était décrite comme la peau d'un bébé. Élisée, c'est quelqu'un qui était sanctifié. Papa malade, c'est quelqu'un qui était sanctifié. Il n'a pas besoin de faire de très longues prières. Élisée a dit motoro à Poulisama. Papa malade, c'est un motoro à Poulisama. Ça, la tine, ça, ça va fondre les amis. Ou même devant un repas, quand on vous demande de prier, mais les gens qui ont fait, comment ça s'est passé? Mais comment? Oh non, c'est bien. La peau là. Alléluia. La force de l'église, c'est la sainteté. Si vous cherchez la force vraiment, vous vous trompez. Dieu a fait des promesses pour beaucoup trois citats. Vivons dans la sanctification, nous vivons. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le Seigneur m'a dit que tout ce qu'il y avait dans Barumbu, il l'a ramené ça. C'est mieux de créer des trous de vie parce que Dieu peut agir sans. Tu risques d'être écarté comme Saoul, mais Dieu va accomplir ce qu'il a voulu accomplir. Si tu continues à semer des troubles, il va t'écarter. On m'a dit qu'il y en a qui suivent le culte à partir de leur chambre. Ce sont ces gens-là qui vont venir. Quatrièmement, ne résiste pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réalise la sanctification au travers de notre esprit.
Molimo Mosantu ye akoki saka o ezali go santu na kati na molimo na biso. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Molimo Mosantu ye nda suki saka biso pena na biso. C'est lui qui t'indiquera chaque fois. Eh, attention, tu as volé. Ye nde mota ye bisaka biso tango nyonso ke pa yo kiboyiba. Tu es dans la convoitise. Yo zo lula. Alléluia. Amen. Si nous voyons l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Ce qui est au temps qui peut totaliser le solo.